Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la dernière vidéo du coup de la série Noël, on va dire. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps à vous la tourner parce que j'avais pas trouvé le temps dans ce début d'année, on va dire, et même en fin d'année. Du coup voilà, ça va être mes cadeaux de Noël, les cadeaux que j'ai reçus tout simplement. Et on va commencer tout de suite avec ce duopack. Donc j'en ai un derrière qui est scellé, donc là c'est un petit peu ce que vous voyez derrière. C'est soit ma collection, soit la collection de mon copain, donc il y a les deux. Donc voilà, donc j'en avais un au-dessus, c'est ce que je garde scellé tout en haut. Donc il n'y a pas grand-chose, hop, je me tourne un petit peu. Il y a trois petits coffrets, en dessous c'est soit déjà ouvert, soit ce que j'ai à vous ouvrir. Et celui-ci justement, c'est mon copain qui me l'a offert, donc c'était, il l'avait, mais il m'a offert le sien. Comme vous savez, pour préparer tout simplement le calendrier de l'Avent de l'année prochaine, j'avais pas de voltage ni de clash des rebelles. Donc ça sera ouvert dans longtemps, dans un an du coup, même pas maintenant. Mais ça sera ouvert et je suis vraiment très contente. Surtout que Voltage, c'est un peu compliqué à trouver. Bon, Clash des Rebelles, pas trop en ce moment non plus, enfin, c'est un peu compliqué aussi. Du coup voilà, c'est le duo pack avec Renflex qu'on retrouve en holo justement de épée et bouclier de base, la promo de Morpeko. C'est le duo pack que j'avais appelé le duo pack des pommes. Parce qu'il y a des pommes sur toutes les petites promos. Voilà. Ensuite, on va continuer avec Pokémon. Il m'a aussi offert un tripack. Donc, je voulais absolument un tripack de Noctalie. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà ouvert un et que j'en ai pas retrouvé après. Et lui, je sais qu'il en avait un. Donc, il m'a offert le sien. Il en a pas. Du coup, il en a plus. Mais on l'a ouvert ensemble. C'était pour avoir la promo de Noctalie pour ma collection de Noctalie. Donc j'avais la Noctalie dans ma collection de promo tout simplement. Et je voulais l'avoir aussi pour ma petite collection de Noctalie. C'est ma première carte de ma collection Noctalie. Et dedans on a eu deux rares et Miasmax V. Donc pas génial la pioche, mais c'est pas très grave. J'avais pas Miasmax V, j'avais le Vmax mais pas le V. Du coup voilà, pas de regret de l'avoir ouvert. Surtout que c'était pour Noctalie, c'était le seul qui lui est resté. Et avec ça, il m'a offert 5 boosters. Donc comme je vous disais, on a ouvert le tripack ensemble. Pour s'ouvrir 2 boosters chacun, on a ouvert le tripack et un booster gardien ascendant. Donc il m'en reste un ici. Donc dans le booster gardien ascendant qu'on a ouvert, il n'y avait rien du tout. Il y avait une rare aussi. Donc voilà, il y en a un ici et 3 boosters invasion Carmin. Voilà du coup pour la partie Pokémon. Du coup il y avait le petit jeton de Raikou avec le tripack Noctalie. Ensuite j'ai eu également, j'adore le maquillage, donc voilà, des petits rouges à lèvres Givenchy que vous voyez. Donc en plus j'ai tout laissé de côté, j'ai rien pu utiliser jusqu'à vous faire la vidéo, c'était une torture. J'avais hâte de vous la faire, mais du coup je veux enfin pouvoir essayer tout ça. Donc il y en a 4, hop là. Ils sont tout petits, mais ils sont magnifiques. Voilà, je vous en montre juste un. Je pense pas que ça intéresse toutes les personnes qui soient sur la chaîne ici. Mais du coup, voilà. Je vous passe ça vite, mais moi j'adore. C'est trop beau. Enfin, c'est un petit peu tout ce que j'aime. J'ai un petit peu eu un peu tout ce que j'aime, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai eu des vêtements de sport. J'adore les vêtements de sport chez Women Best. J'aime bien aussi leurs compléments, etc. Mais leurs vêtements, je les trouve très, très qualitatifs, très sympas. Hop, je vous montre ça assez vite. Donc voilà, une petite brassière pour le sport. De couleur, je ne sais pas comment on peut s'appeler cette couleur. On dirait un gris, mais c'est pas vraiment un gris. Enfin, voilà, je ne sais même pas comment ils ont appelé ça, parce que c'est vrai que ça me perturbe. Chalk gray, voilà. Donc c'est un petit peu un gris, une sorte de gris on va dire, et avec le legging qui va avec, voilà. Donc pareil, je vais assez vite, mais comme je vous disais, j'aime bien, ça reste très qualitatif, et vu que je fais quand même pas mal de sport, voilà, donc c'est vraiment sympa. Ensuite, j'ai eu un roman, donc voilà, donc c'est Chimaris, je sais pas trop comment ça se lit, d'Éric Tourville. Donc ça a l'air excellent. Donc j'ai lu la quatrième de couverture, le petit résumé. Donc ça parle de sorcières de Salem, etc. Enfin de Salem, enfin voilà. Donc à la couverture déjà j'aimais bien, je vous montre. C'est un peu effrayant avec la petite fille
qui a l'air complètement perdu dans les bois, très obscur, etc. J'ai hâte de le lire. Une fois que je le lirai, je vous ferai un petit avis dessus sur la chaîne. Et enfin, du coup, le dernier cadeau. Donc ça, je vous montre le carton parce que je suis en train de filmer avec. Donc ça, c'est génial aussi. Une bonne lumière, enfin. Donc quand je vous tournerai des vidéos, soit facecam comme ça, soit des ouvertures, je vais enfin avoir une bonne lumière. Même s'il fait nuit, même s'il fait jour, peu importe. La lumière ici est pas géniale, même la lumière, voilà, c'est pas top. Et là, voilà, donc j'ai un petit anneau, même un grand anneau, de lumière blanche. Et ça, c'est top. D'ailleurs, vous me direz pour la qualité si vous trouvez que c'est mieux. Je suis pas dans la pièce la plus lumineuse, on va dire, d'ici. Mais voilà. Donc au moins, je peux tourner là où j'ai envie de tourner avec une petite lumière. Voilà, voilà, donc c'est la fin. Je vous ai montré un petit peu tout. J'espère que vous avez eu plein de beaux cadeaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu du Pokémon, si vous avez ouvert, qu'est-ce que vous avez eu dans vos boosters, est-ce que vous avez eu tout court. Voilà, donc je suis très 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 contente. J'avais demandé d'ailleurs, j'avais fait une petite liste, enfin pas vraiment une liste, mais par exemple mon copain pour lui ou pour sa famille me demandait qu'est-ce que je voulais. Donc j'avais lancé plein d'idées. Il y avait une idée d'ailleurs que du coup il a pas dû retenir, mais je vais me l'acheter, je vous montrerai ça. Parce que c'est vraiment quelque chose auquel je tiens et j'adore cet univers. C'est le Monopoly Harry Potter. Donc voilà, j'adore Harry Potter depuis gamine, j'ai grandi avec. Et voilà, je vous ferai des vidéos par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo en tout cas vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu, si vous êtes content, etc. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir tout le monde.